Après s'être retrouvé à Paris avec Colline, s'être embrassé devant la Tour Eiffel et avoir passé des moments incroyables avec elle, j'ai dû lui dire au revoir pour retourner en Espagne. Ah, j'étais seul, libre, tranquille, mais bon, je manquais trop. Elle m'appelait tous les jours pour que je vienne la voir à Chalon, en mode « Oui, Lucas, tu me manques trop, je t'aime, t'es l'homme de ma vie, je peux pas vivre sans toi. » Et franchement, j'en rajoute même pas. En tant que chevalier des temps modernes, j'ai donc décidé de venir la voir ce week-end. Faut avouer que c'était un peu moins romantique qu'à Paris, mais bon, après tout, chaque meilleur ami s'embrouille, non? Bienvenue à vous dans ce vlog, c'est parti. Regardez qui c'est. On est chez Colline, bien arrivé à Chalon, dans la ville de la pluie. Là, on est avec une pote que j'ai retrouvée sur le passage. Salut, ma bestie. Vous allez passer une petite soirée avec nous pour voir comment c'est quand on se retrouve avec Colline. Oups, excuse-moi. Je vais casser les couilles, il y a son bordel partout. Je vais péter un câble. Lucas. Mais c'est rien, ouais! Non, ça, par contre, c'est ça, parce que ça, des fois ça traîne par terre et tu mets ça sur une table de nourriture. Je te supporte pas ce soir. Tu m'en veux? Oui, je te supporte pas. Pourquoi? Enfin, en fait, quand je suis énervée, je supporte rien et je suis très aigrie, je supporte rien. Oui, mais une fois que t'en. Voilà. T'as cassé quoi? Les gars, j'ai cassé chez Colin. J'ai cassé tendu. En plus, son daron, il me fait peur, il a l'air énervé. Je l'ai jamais rencontré. Et j'ai cassé chez. J'offrirai des chocolats. C'est intéressant d'être bon. Hein. Pourquoi faut pas en mettre beaucoup hein. Ah, tu fais quoi avec mon poulet là? Ah, écoute-moi, ma poule. Si tu veux pas finir comme lui là, je te détends. T'as pensé à prendre ta brosse à dents? J'avais jeté la tienne. Pourquoi? Quand t'as mis les Espagnols. Je lui ai dit, mais c'est mort. De toute façon, il faudra plus jamais les pieds à la maison. Et jeter ta brosse à dents. Mais ça va pas! Ça, faut vider à la poubelle parce que ça va boucher la vaisselle. Non, ça tu fais. C'est ton assiette. T'as qu'à racler ton assiette. C'est pas mon assiette! Si, c'est la tienne! Mais qu'est-ce que tu fais? Oh, tu me fais chier! J'ai pas de lave-vaisselle chez moi, je fais la vaisselle à la main! Oh, ma vie! On va faire un petit Mortal Kombat avec Colline parce qu'à chaque fois qu'on se retrouve, on fait un Mortal Kombat. La dernière fois, j'ai gagné 10-5. Elle est trop forte à jeu, je sais pas comment est-ce qu'elle fait. Elle a dû avoir des milliers de decks avant. Tu triches tout le temps, toi! Mais de quoi je triche? Allô? Let's go! Je l'ai niqué. Comme dans la vraie vie, finalement. T'es une tricheuse. J'ai pas de tricheuse. C'est même pas drôle. Hein. La meuf, elle spam un combo. Bah écoute, tant que je gagne. Donne-moi les boutons là. Je sais pas, je ne sais pas comment je fais. Ah, mais on la connaît celle-là. Fais des trucs de fou que moi je fais pas, c'est pas normal. Parce que t'es nul. Allez, rends-moi la manette là. Mais frère, oh. Ça y est, on a compris. Mais vas-y, mais frère, c'est de la triche. Bah toi, par contre, t'es un tricheur. Toi, par contre, t'es un tricheur, t'as spamé la même truc tout le long. Moi, je l'ai jamais fait ça. Quoi? Ton petit rocher qui appuie mais là. Mais je fais pas ça tout du long par contre, j'alterne avec d'autres trucs. Oh regarde mais t'es nul, ça finit comme ça. Ça se voit t'es nul parce que tu fais ça. Quand t'es doué tu alternes avec d'autres trucs, toi tu joues la facilité, tu joues les mêmes trucs. Arrête de spammer la même truc Lucas. Arrête Lucas. Allez, tiens, vas-y. Le seul moyen pour lui de gagner c'est que je joue pas, regarde. Donc on arrête de jouer, j'ai gagné. Parce qu'il y a 6-5. T'appuies sur le même bouton. Oui. Parce que tu pètes le seum donc. Oui. Oui. Bah ouais, bah non. Bah j'ai gagné les doigts dans le nez. Mais non. T'as perdu. Bah non, j'ai tapé le seum parce que j'ai gagné. La 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 la. Oui, la, la, la 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 la. Let's go, la victoire. Nanana. Regardez, elle est trop nulle. Ah la nulle, ah la nulle. Je l'équipe. Là, on est samedi matin. Et la copine, elle veut me faire un TikTok. Elle veut me faire une prise de sang, mais j'ai peur. On n'est pas obligé, Colline, je t'assure, on n'est pas obligé. Je gagne quoi, moi, à faire ça? Rien. Je veux pas voir, ça me fait pas mal, tu me promets, ça me fait. Ça fait pas mal. Je vais mal. Y sentir ou pas? Bah oui, mais tu vas sentir un petit truc qui pique, mais ça fait pas mal. Un petit truc qui pique, quoi. Putain, c'est vraiment bon, descend. T'as peur? Bah oui! Bah oh, oui! Oh. Bah oui, j'ai peur! C'est pas comme oh, si tu me dis, oh, on va manger des chocapics ce matin. Non, on va faire une prise de sang. Non, mais ça prend 2 secondes en plus, en vrai, non. Allez, mets ton bras. C'est quoi ça? Ça c'est l'aiguille. Quoi? Quoi juste ça va te servir à quoi? Rien, c'est juste ma satisfaction personnelle. Quoi? Je me sens pas bien, je me sens pas bien. Moi si ça va. Non je me sens pas bien. Si si ça va. J'ai l'impression, arrête, non je veux plus. Mais Lucas! Je veux plus. Allez. Mais pourquoi? Mais viens. Ça va
rend jusqu'à où dans mon bras? Mais non, mais ça va pas rentrer jusque là. Il est où? Tu te... Montre-moi ton diplôme. Je l'ai pas encore mon diplôme. Bah oui, je... Non, mais c'est quoi ça? Allez, c'est bon, je te prends les épris crâniens qu'on prend pour les bébés. Là, t'es vraiment une tapette, hein. Putain, hein, je te jure. Je suis obligée de prendre les épris pour les bébés, carrément. Ah oui? Bah oui. Bah, je comprends pas que tu as pas pensé avant, d'ailleurs. Pour les bébés? Ouais, ouais. C'est une prise de son, on se détend. Bah vas-y, trouve quelqu'un qui va faire une prise de sang comme ça. Ma mère, allez, viens. Tu bouges pas. Hein. Là, tu vas là. Attends. Attends, je veux plus. J'ai sorti tout mon matos, t'es sérieux là? C'est une petite aiguille qu'on fait au bout. Attends, on prend 5 minutes, on parle un peu. Je viens de me réveiller, Colline, c'est la première chose. Tu regardes pas. Allez, c'est bon, tu regardes pas. Regarde là-bas et tu fermes les yeux. Non, mais Colline, t'en as fait combien dans ta vie? Mais j'en ai fait, je sais pas combien, j'en ai fait plus d'une centaine. Lucas, sérieux. Ok, là, ma veine, tu la vois bien? Mais oui, je la vois et je la sens, elle rebondit de ouf. Ça va aller comme sur des roulettes. Comme sur des roulettes? Oui, juste tu ne bouges pas. Je bouge pas. Non, tu serres le poing, s'il te plaît. Ok, serre le poing, je regarde pas. Tu me préviens, fais pas la pute, hein. Non. Ah, je me vide de mon sang. Hey, bon sang. Regarde. Mais tu prends de moi là. Ah, t'as tout pris. Je t'ai pas tout pris. Ah, enlève cette aiguille de merde là. Ça fait mal de ouf. C'est de l'alcool. Mais ça pique pas, c'est comme si j'avais plus de bras là. Mais oui, c'est normal. C'est normal. Ah, je sens plus mon bras, il est paralysé. Mais... de ma mère. Je rigole zéro, là. J'ai fait comme d'habitude, allez. Comme d'habitude? Bah oui, les patients se sont jamais plaints, t'es vraiment une doudouce, hein. Allez, enlève le truc. Une doudouce? Enlève. Ça t'a servi à quoi? Merci. Moi, j'ai pu m'entraîner, parce que j'ai pas pu en faire pendant ce stage des prises de sang. Quoi? C'est-à-dire que ça faisait longtemps que t'en avais pas fait? Bah, j'en avais pas fait depuis le mois de janvier. Bon, bah, après la prise de sang, les patients, ils ont un petit repas. C'est au don du sang, parce que quand tu prends 2 ml de sang, je t'ai pris 5 ml. Ah, mais je l'ai senti. Ouais, merci maman, mais c'est ton bras. C'est gentil. Je suis contente que j'ai pu me réentraîner. Ouais. Bon, bah, on va vous laisser, on a un truc à faire. Voici Chalon-sur-Saône, la ville de la pluie, mais bon, il n'y a pas d'endroit pour être romantique tout le monde. Et là, on est au McDo, et Colline au McDo, bah regardez, elle fait une liste de ce qu'elle va prendre carrément. Menu best-of avec un wrap aux chèvres, des frites, sauce ketchup s'il vous plaît, un coca zéro. À côté, je vais prendre une boîte de 6 nuggets s'il vous plaît, avec de la sauce creamy de luxe. Ensuite, le cheeseburger s'il vous plaît. Le cheeseburger. Vous avez encore les petits wraps aux chèvres? Et eh ben un petit wrap aux chèvres. Vous avez encore les muffins avec les espèces de noisettes au-dessus? Oui. Ah bah je vais prendre ça s'il vous plaît. D'accord. Tu veux quoi? Un McFirst poulet et 2 petits wraps. Autre chose? Non ça va. Non bah ce sera tout, merci. Là ça sera un critère pour qu'on se marie, tu vois. C'est un critère que tu valides si jamais on devait se marier. Mais encore, je me suis abstenue. Ah elle s'est abstenue, bah ça va. Elle s'est retenue les gars, elle s'est retenue. Merci ma vie d'aloca. Vous voyez, il n'y a pas besoin des dates de fou, aller à Paris, prendre le meilleur resto qui claque et tout. Non, un McDo à Chalon-sur-Saône. Et regarde pour te remercier avec le ticket de caisse qui rappelle combien t'as dépensé, je te fais un cœur. Oh, c'est trop mignon. Piou piou. Bon, j'ai faim. Tu me passeras une nugget? Tu me passeras 2 frites alors pour compenser. Je te prends juste une petite nugget. Oh, elle est là. Non, elle me regarde. Non, la nugget de Colline. S'il te plaît. Lucas, non, mais t'es sérieux? Vas-y, non, sinon tu saoules. Non, mais sérieux, t'es chiant, pas les nuggets. Les frites, je m'en fous, mais pas nuggets. Non, c'est mort. Bon, les gars, joyeux lundi de Pâques à tout le monde. On est lundi. Moi, grosse dégaine survêt, sacoche, TN. Et elle s'est fait fraîche, on va au restaurant. Cucu. C'est que là, t'es stylé, hein. Ouais, je sais. J'ai envie de te galoche, mais bon. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Parce que la grosse vidéo qui arrive, c'est le vlog de Valence. Et... Oh, je fais mourir, Colline. Genre là, t'es heureuse, là? Je me sens bien. Ah là, de la sauce au coin de la bouche.
Non, t'es parfaite, ma vie d'Aloca. T'as bronzé, toi, depuis hier. Ouais. Mais t'as pas si inaperçu parce que j'ai fait sur les boobies aussi. Elle a fait sur les boobies. Ah ouais, ça veut dire, si vraiment j'ai du fond de teint partout autour des lèvres, c'est, je suis cramé, quoi. Là, on va au bowling. Blanc. Et à ce qu'il Colline, elle est nulle, ça veut dire qu'elle est forte au lit. Toi, t'es fort au bowling, non? Je suis fort au bowling, moi. Là, j'ai envie de me marier avec toi, ça y est. C'est vrai? Ouais, le temps de la digestion, j'ai envie de me marier avec toi. Oh putain, je vais la faire bouffer tout le monde. Regardez, elle est amoureuse, elle est amoureuse, elle est amoureuse. Oh là là. J'ai mes chaussettes de course, elles sont renforcées. Je vais vous montrer un peu comment c'est le niveau parce que moi j'ai travaillé là un an. Vas-y, fais-nous rêver. Oh le bâtard. Mais quel enculé. En fait, la technique c'est quoi? Les gars, la technique c'est comme pour avec les meufs. Oh, allez, vas-y, c'est bon, va là-bas. Ah mais c'est pour ça que j'arrive pas. Faut comparer quelque chose, sinon moi j'ai pas envie de gagner. T'as une idée de quoi? Ouais, j'ai une petite idée, ouais. Un petit bisou. Et moi si je gagne, y'a quoi? Pire qu'un bisou. Quoi? Bah dis-moi. Ham ham. Ah. Bon les gars, vous le dites pas à Colline, mais j'ai ramené des milliers de meufs ici. Rien, rien. T'as dit quoi? J'ai rien dit. T'as dit quoi? Pas la première. Hein? T'as dit quoi? J'ai rien dit. Il a repris un strike. Mais là, c'est ta gueule là. Ouais. Ça va, je suis fraîche donc. On s'en fout de voir ce qu'il fait. Le plus important, c'est moi. Mais frère, deux strikes d'affilée. T'es encore nul? T'en as pas marre d'être nul? C'est parce que je suis une bête de sexe, c'est pour ça. Ladies and gentlemen, bienvenue. Dans notre nouveau combat de Queen Fast. C'est incroyable. Et tirage de cheveux. Interpréter Monica Fuentes dans le film Fast and Furious. Let's go. J'ai mis au bif moi. J'ai mis au bif. Tu savais? Oui. Bien joué. Et enfin, au sommet du podium, applaudissons bien fort notre grand vainqueur. Elle est dégoûtée parce que je l'ai tué au blind test. Non, tu m'as piqué mes points, donc du coup, il a utilisé les jokers pour me piquer mes points, mais ça s'est joué à 2 points et tu m'as enlevé 18 points. Vous m'avez dépouillé 18 points. Je vous aurais fumé si vous m'avez enlevé mes points. Le seul truc où elle pourra me gagner parce que je sais pas jouer. Gars, là, attends. Voilà, parce que là, Colline, elle montre un peu trop son boule à tout le monde, mais maintenant, je suis en train de gagner, les gars. Ça va, Colline, tu montes pas un peu ton boule, là? Hé, hey, arrête de... Oh! J'ai pas fait exprès, bah, je rejoue parce que tu m'as... La meuf, elle met sa main devant, après, elle me dit je sais pas quoi. Attends, tu décales l'être. Il y avait une boule devant, je l'ai enlevée. En résumé, elle a triché. Pardon. Elle m'a battu un truc qu'elle sait jouer et pas moi. Je pense que le prochain vlog qui sort, vous êtes absolument pas prêts parce que c'est à Valence. Et c'est ma ville, ça veut dire que je peux prévoir. Je sais déjà ce qui va se passer. Je sais déjà les dingueries qui vont se passer que même elle, elle sait pas. Et j'ai rien prévu du tout pour l'instant, mais... Bon les gars, là on est chez moi, on dort par terre parce que avec Colline... Même si on fait des millions de vues, on a décidé de rester des gens de la cahier. On reste des gens simples. On dort sur deux matelas, en cachette chez ma grand-mère. Hein? C'est la fin du vlog. Abonnez-vous, likez. Est-ce que vous pouvez vous abonner, liker, s'il vous plaît? Voilà, quand c'est une fille qui demande, t'as vu, ils vont faire. Ils vont faire. Là, on a commandé des petits grecs avec Colline à 1h du matin. Et prochaine étape, vlog à Valence, qui sera incroyable. Oh, ça sent les frites. Arrête de parler. Je parle trop, là, j'ai la dalle.